Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Oui, merci. Selon toi, quelle est la tribu la plus chiche du Cameroun? La plus chiche. Point d'interrogation. Et tous les problèmes qu'on a au quotidien. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Tu maîtrises. Je dirais les Bamiyeke. Les Bamiyeke. Oui, en termes d'argent. Qui est le client qui a laissé ça? C'est pour moi, patron. C'est mon petit déjeuner. Hey! Ton petit déjeuner? Oui, patron. Un pain et la sardine. De manière globale, ou bien tu as une spécificité des Bamiyeke, genre Bouddha, Baganté, Banjounet. Non, quand je parle de Bamiyeke, c'est tout en gros. Un gros déjeuner. Qui dit petit déjeuner? Je t'ai déjà dit que quand tu veux manger ici, prends les bonbons. Ou alors les arachides, les moussas ou les arachides. Je porte plainte. Il n'y a pas de tribu la plus chiche. Hein? Vraiment. Moi, toutes les tribus se valent. Continue. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Ah moi c'est Lionel. Enchanté Lionel. Ouais ouais. Biki. Enchanté Angéa. La question du jour qu'on aimerait savoir nous et nous sur internet est la suivante. Quelle est la tribu la plus chiche du Cameroun selon toi? La tribu la plus chiche. Il n'y a pas de tribu la plus chiche. Hein? Vraiment. Moi toutes les tribus se valent. La tribu la plus chiche du Cameroun. Aucune idée, je connais pas. Je sais pas s'il y a une tribu qui est chiche. Je sais pas si tu me dis même chiche, bon. De toute façon, je connais pas. Selon toi, quelle est la tribu la plus chiche? Bon, selon moi, selon ma camarade, toutes les tribus se valent. Donc, j'ai une camarade derrière qui dit que les bassins sont chiches, mais pour moi, non, les bassins ne sont pas chiches. Ou toi, quelle est la tribu la plus chiche selon toi? Les Bamoun. Mm-hmm. Selon toi, quelle est la tribu la plus chiche? Moi, il n'y a pas de tribu qui est chiche. Toutes les tribus se valent, bien sûr. Vraiment? Oui. Tu n'as jamais eu une expérience? Non. Tu n'as pas sorti avec un gars chiche. Sérieux? Dis jamais. Je ne suis pas encore sorti avec un gars qui est chiche. Selon toi, quelle est la tribu la plus chiche au Cameroun? Qui vient la tribu la plus chiche selon toi? La tribu la plus chiche, je dirais les Bamiyeke. Les Bamiyeke? Oui, en termes d'argent. De manière globale, ou bien tu as une spécificité des Bamiyeke, genre Bouddha, Baganté, Banjounet? Non, quand je parle de Bamiyeke, c'est tout en gros. Pourquoi? Moi, j'ai pas encore eu les espérants, mais ils sont chiches. Donc, pour rien comme ça, là, tu entends les gens, tu dis que tu préfères les Bamiyeke. Pourquoi les Bamiyeke? Les Bamoun sont les plus chiches. Ils sont chiches. Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je ne connais pas. Tu as jamais eu une expérience. Tu as jamais eu une expérience qui te permet. Chiche, ça veut dire quoi d'abord? Pourquoi pas me dire chiche? Juste difficile avec l'argent, non? Bon, ça, je ne sais pas. Qui ne connaissent pas partager. Parmi tes gars, là, tu as encore eu un gars qui était le plus chiche. Moi, je suis marié, je ne connais pas. Avant même de marier, tu as quand même eu des gars. Ça, je ne sais pas s'il s'agit d'une tribu. Non. Je dis non. Je ne connais pas s'il y a. Particulièrement une tribu chiche. C'est une question de personnalité. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une tribu peut dominer sur une autre. Toutes les tribus se valent. Tu n'as jamais eu une expérience comme ça? Pas du tout. Ça dépend des personnes. Donc, tu n'as jamais eu une expérience? Je ne veux même pas avoir l'expérience. Donc, pour rien comme ça, là. Mm-hmm. Je te remercie. Tu as quand même une expérience. Ça dépend des personnes. Je ne regarde pas sa tribu ou quoi que ce soit. C'est la personne, la personnalité qui compte. Vraiment? Oui. Voilà. Ok, je te remercie. Merci aussi. Selon toi, quelle est la tribu la plus chiche du Cameroun? La plus chiche? Je ne sais pas, aucune. Aucune? Oui. Tu n'as jamais eu une expérience? Non. Même avec un gars qui est sorti qui était chiche ou bien avec ta famille? Peut-être les bars, mais c'est quoi?
Eh ben, ceux ne sont pas chiches. Pour moi, toutes les tribus se valent. Donc, ça dépend, comme ça dépend des personnes. Quelqu'un peut être Bassa, mais il est l'homme le plus gentil du monde. Comme il peut être Bamleke, il est méchant. Donc, ça dépend. Je sais pas. Donc, on peut les qualifier de chiches. Et tu n'as jamais partagé une expérience. Excusez-moi. Non, je peux pas. En fait, le fait que c'est personnel, non. On peut pas dire, on peut pas dire, bon, j'ai connu un mec, il était Bouddha, puis je sais pas trop, Bamleke, il était chiche. Ça veut dire que par conséquent, les Bamleke sont chiches. Si tu n'as pas une expérience personnelle, que non, tu as une expérience qui t'a pas plus chiche, que non, la tribu c'est plus chiche. En fait, moi je marche même avec tout le monde, donc si quelqu'un est chiche envers moi, je vais savoir. C'est ça. Je te remercie. Mais tu es pas un jeune, ce qu'on appelle le tribalisme, tu vérifies les gens, c'est ça non? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, c'est quoi? Je dis ceci. Je ne sais pas s'il y a une tribu qu'on qualifierait particulièrement de chiche. Oui, je le sais vraiment. Et le fait qu'un individu soit chiche. Ça prouve que sa tribu aussi est chiche. Non, je sais pas ce que je dis. Ça n'engage que. Je te remercie. Là, je suis jamais sorti avec un gars. Dis le nom. Tu sors qu'elle est fille. Non, j'ai pas regardé jamais les gars. Dis le nom du sister. Dis le nom du gars qui est sister. Vraiment, parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées, on dispose de la même chose. Qu'il n'y a pas de tribu chiche, d'autres disent les bamouns. Oui, selon moi, c'est une question de personnalité. Ça dépend de la personne. C'est vrai que les gens disent qu'il y a des tribus qui sont comme ci, qui sont comme ça. Mais réellement, ça, ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui sont comme ça. Il y a certaines personnes qui sont hyper gentilles, d'autres qui sont. En tout cas, chacun, ça dépend de son comportement de tout un chacun. Je te remercie. Les BAM. Bon, selon toi, pourquoi les BAM sont plus chiches que les autres? C'est moi comme ça. Comment? Comment non, pour toi c'est les BAM? Non, il a dit, c'est quoi? Moi j'ai donné un nom, il donne un nom. Donc tu as seulement entendu comme ça là? Oui, dans les bouche à oreille. Bouche à oreille? Oui. Je te remercie. Donc pour toi, il faut bien que ça ait plus chier. Comment? Pourquoi ça? Tu as eu une mauvaise expérience avec les BAM? J'ai eu des mauvaises expériences avec les BAM. Des amis, même des membres de ma famille. Ouais, sont vraiment chiches. Ils n'aiment pas donner, ils aiment toujours cacher. On dit souvent que c'est quand le Bamleke meurt qu'on voit sa vraie fortune. C'est vrai. Donc, il n'y a pas d'exception qui confirme la règle, non, toi? Il n'y a pas les exceptions qui confirment la règle, les exceptions. Exception, non. Pour moi, le Bamleke avec qui il était proche, on toujours été un peu vraiment très, je sais pas comment, chiche en fait. Ouais, Bamleke. Ouais, je te remercie. La voix des sans-voix, l'éclaireur de conscience africaine.